de cette soirée. Nous aurons deux déclamations. Il y aura le poème de Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur qui sera lu par Madame Flore Villet. Et ensuite, un conte qui sera lu par le professeur Bakumba. Ensuite, le groupe de Monsieur Bawai, le ballet Elangé, va nous faire une présentation. Et ensuite, nous inviterons Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur à prendre la parole pour nous donner son propos, au sujet de cette cérémonie. Le professeur Edith Amboué, directeur du Carrefour Chronoculture, reprendra la parole pour présenter le programme du cinquantenaire. Et ensuite, vous serez tous invités au cocktail qui va clôturer cette cérémonie. J'invite Monsieur le chef d'un député, Bertrand Mapaka, à prendre la parole. Monsieur le chef. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, Monsieur le député Chemin, chers collègues, Madame la chef de groupe, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos qualités et titres, Monsieur le Consul et tous ceux que je reconnais dans la salle, au nom du bourgmestre de la ville de Bruxelles, Monsieur Frédéric Demence, au nom de Madame Milke, première échevine empêchée, et de tous mes autres collègues échevins de la ville de Bruxelles, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle gothique pour le lancement des festivités commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ce jour est un jour historique, non seulement pour le Congo, mais également pour les nouveaux Belges, les anciens Belges, et cette salle est remplie de gens de toutes les couleurs et de toutes les races pour témoigner que l'histoire entre la Belgique et le Congo est une grande histoire pour la Belgique, également pour le Congo. Excellence, la ville de Bruxelles tient absolument à travers son bourgmestre, qui aujourd'hui, dans des contacts très étroits, entretient des relations de ville à ville, qui sont parmi les plus exemplaires, car la ville de Bruxelles, qui vous accueille aujourd'hui, a été la première, si pas parmi les premières municipalités, à souscrire au programme de développement entre ville et ville qui a été lancé par la DGCD. Mesdames, Messieurs, Excellences, chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de vous dire mon petit mot, vous prenez ce que Bertin a dit, vous le divisez par deux. Et c'est ce que je suis peut-être ici à la ville de Bruxelles. Il exagère par amitié et j'espère que je lui rends aussi bien qu'il me l'offre. Excellent, je suis vraiment heureux d'être ici avec vous, tous ici réunis, pour ce lancement du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. Un pays qui est, comme Bertin l'a dit, comme d'autres le diront certainement, un pays frère, un pays ami de la Belgique. Et au-delà des pays qui sont amis, les hommes et les femmes sont amis. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tango ya Congo. Le Congo a son tempo. Le Congo danse le tango. Le Congo fait bingo. Le Congo fait banco. Par voix fluette ou chantante, par voix suave ou de dominante, par incartation dornutruyante, ou par imprécation rageuse, il a l'air de craindre. Mais il a l'heure de vaincre. Point de naufrage. En son sol, il a l'ancrage. Jamais ce bateau ne chavire, ce navire a le pied en cap. Entre l'empire et l'emprise, la grande idéologique n'eut point de raison de sa bravoure. Peuple rigide de sa souveraineté, biberonné au nationalisme, il ne chancelle point. 50 bougies après, la flamme ne vacille point. Peuple abrasif, peuple rutilant et incisif, peuple encoléré, jamais mon lasso
en pâmoisson, même tombés en roture, peuple en bonne armée, des ombres qui veillent en bonne vigie sur son patrimoine. Transi d'une rutilante conviction, transpirant de certitude. Le Congo danse le Congo a son tempo, le Congo danse le tango, le Congo fait bingo, le Congo fait banco. En chantant sa louange, l'éloge vient à l'âme, comme l'eau à la bouche, en bouchant la trompette. De la vénération, on exalte la nation vaillante. Mesdames et messieurs, Lissa Pongé. Lissa Pongé. On raconte beaucoup de choses en Afrique, mais celle qu'on ne raconte pas souvent, c'est comment Dieu est tombé en Afrique centrale, abandonnant toutes ses richesses. Et je vais vous les révéler. Comment ce pays, l'Afrique centrale, est devenu si riche en tout genre. Lissa Pongé. Lissa Pongé. D'après la Bible, le grand livre, Dieu avait créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu voulait se reposer. Il était quelque part dans le coin, dit, je vais dormir. Il se rappela, le Tout-Puissant, qu'il avait oublié de distribuer les richesses que contenait sa nacelle. Il réveilla ses anges, les archanges, Michel, Gabi et tout le monde. Il dit, accompagnez-moi, je vais distribuer les richesses à travers le monde. Et Dieu se mit dans sa nacelle. Il monta si haut, il commença à survoler l'univers en commençant par le soleil ou le soleil du côté où le soleil se couche, qu'on appelle l'Occident. Okay.